Alléluia. Alléluia. We have a special number to sing, and we are going to dramatize the song. Nous avons une chanson individuelle à chanter, et nous allons l'écrire par. We are going to dramatize the song. Par une pièce de théâtre. Let's appreciate our daughter for our memory verse. Nous allons encourager nos enfants pendant qu'elles vont s'avancer. Encourageons-leur. Our memory verse is taken from John. Le verset que va lire. John 11, 35, Jesus wept. Jean chapitre 11, 31. Jean 11, verset 31. Amen. Amen. Does anyone have another presentation? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une autre présentation? Let's appreciate him as he comes forward. Encourageons notre bien-aimé pendant qu'il s'avance. Matthieu chapitre 5, verset 9, say. Matthieu 5, verset 9 dit ceci. Blessed are the peacemaker. Bénissons celui qui vient, qui donne la paix. They shall be called Son of God. Ils seront appelés enfants de Dieu. Amen. God bless you, church. Que Dieu bénisse l'Église. Amen. Matthieu 5, 9. Let's appreciate our son as he comes forward. Nous encourageons notre enfant pendant qu'il s'avance. Que Dieu soit loué. Jean chapitre 1er verset 1er. In the beginning, au commencement was the word, était la parole. The word.
Et la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Amen. Amen, amen. Nous encourageons notre sœur pendant qu'elle avance. Psaume chapitre 1er, verset 22 dit ceci. Je suis heureux lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Nous encourageons notre sœur pendant qu'elle s'avance. Psaume chapitre 100, verset 1 au verset 3. Poussez des cris de joie vers Yahweh, vous habitants de toute terre. Servez Yahweh avec joie, venez en sa présence avec allégresse. Reconnaissez que Yahweh est Dieu, il nous a fait et on lui appartient. Nous sommes son peuple et son troupeau de son pâturage. Amen. Amen, amen. Nous encourageons notre frère. Psaume chapitre 100. Psaume chapitre 100. Verset 4. Venez à ses pratiques. Avec ses louanges, à ses parvis, avec sa cantique, célébrez-le, bénissez son nom. Amen. Psaume chapitre 100, verset 4. Amen. Amen. Alléluia. It's time to listen to the word, to our message this morning. Il est l'heure d'écouter notre message du jour. We are going to dramatize it. Nous allons le présenter sous forme de pièce de théâtre. And sing it. Et nous allons le chanter également. I want to listen and be blessed. Écoutons et soyons bénis, pardon. This is a little story. C'est une petite histoire. He was born in Goma. Il est né Boma. À Boma. In a very small family. Dans with two boys. Dans une petite famille où il y a deux garçons, deux hommes. My senior brother. Mon frère aîné. Philippe. Who takes over my education as over my father died. Et c'est lui qui avait pris en charge ma scolarité lorsque mon père était décédé. So young, he was obliged to stop schooling because I was so intelligent. Très jeune, il a dû arrêter l'école pour pouvoir s'occuper de moi parce que j'étais intelligent. We are talking about the story of our pastor, Pastor Victor Makonda. Nous parlons de l'histoire de notre pasteur, l'apôtre Victor Makonda. How he came to existence and how the church itself came to existence. Comment est-ce qu'il est venu à la vie? Par quoi il a traversé? I continue my story. Je continue mon histoire. Victor. Mommy, I'm hungry. Maman, j'ai faim. Victor, you know I just come back from the market. Tu sais, Victor, je viens à peine. Please. Du marché, j'ai pas encore la nourriture. Let's go to bed like that.
excuse-moi, nous allons aller au lit aujourd'hui. Et demain, nous mangerons. So, we went to bed. Nous sommes allés au lit. Without food. Sans manger. It was another time. Il y avait des moments. Without our father. Sans notre papa. But my brother was there. Mon frère était là. He took care of me. Il avait pris soin de moi. He sponsored me through education because I was so intelligent. Il m'avait formé, éduqué parce que j'étais intelligent. Because nobody to support me. Il n'y avait personne pour prendre soin de moi. He was so obliged to look for a job. Il était obligé de chercher un travail. At the age of 15. À l'âge de 15 ans. Going to the beach. Aller au beach, à la mer, à la plage. And carrying loads. Carrying loads. Porter un panier. Sandbags. Sandbags. Des sacs. Cement bags. Les sacs de ciment. Any kind of big bags, rice bags, just to make ends meet. Toute forme de sac, tout ce qui était transportable. For people from this morning to the evening, du matin au soir, in order to pay my school fees, pour enfin payer ma scolarité. I grew up in a Christian home. J'ai grandi dans une maison chrétienne. My father was Catholic. Mon père était catholique. A very strong believer. Il était un grand croyant. Trained us how to pray. Il nous avait appris à prier. Since our childhood. Depuis notre jeune âge. I was baptized in the Catholic Church. J'ai été baptisé à l'église catholique. But I went to Kimba. J'étais allé à l'église Kimbanguiste. School. À l'école Kimbanguiste. Simon Kimbangu was a very powerful prophet. Était un grand prophète. Prophet of God. Le prophète de Dieu. Au Congo. From primary to grammar school. De la primaire à l'école secondaire. And later attended a secondary school, public school of pedagogy. Après, j'ai fait les études de sciences pédagogiques pour la secondaire. Where teachers were formed, lorsque les professeurs étaient formés, I started my university in Kinshasa. J'avais commencé mes études universitaires à Kinshasa. Until got student strike, sorry. Until the student strike, jusqu'à la grève, au moment de la grève. Because our president Mobutu didn't want to pay our scholarship. Parce que le président Mobutu ne voulait pas payer les professeurs. He also liked to be a footballer. J'ai souhaité devenir joueur de foot. This is Victor playing football. Ça c'est Victor en train de jouer au foot. He plays very well. Il jouait très bien. C'est un bon joueur de talent in football. Il avait du talent. I kept on playing in Brazzaville. J'avais continué à jouer jusqu'à Brazzaville. And working also in a shop. Et travaillant dans un magasin afin de pouvoir survivre. And build our house in Kinshasa. Afin de bâtir notre maison à Kinshasa. My senior brother was the first newborn in the revival church. Mon frère aîné est celui qui était né de nouveau dans l'église de réveil. While I become a womanizer, but God knew that God was always there for me. Dieu était là pour moi, toujours là pour moi. After 6.5 years, après 6 ans, après 6 ans et demi, I came to Belgium.
j'étais arrivé en Belgique. To study and played for the first time. J'étais venu pour étudier et jouer. In a professional team. Dans une équipe professionnelle en Belgique. I played professionally. J'avais joué dans une équipe professionnelle. When we make a lot of money from this, to make my parents, my mother to be happy, although my father is late. Je fais cela afin que je puisse mettre ma mère à la vie afin qu'elle soit contente et à moi, afin que je puisse aider mon grand frère qui s'est sacrifié pour moi. Ok. Now this cold and it's too much. Eh? C'est très difficile. It's not like Africa, eh? Where we used to play, you know, you're free for this cold. En Afrique, c'était facile, libre de jouer. Mais ici, c'est difficile, c'est compliqué. Oh, we still try. J'essaye, je me débrouille. This thing is not working. But I really want to be a professional footballer. But okay. Yes, I think maybe I can go back to school. I study university. J'étais à l'école, j'étais à l'université, et là maintenant je reviens en tant que en mon ancien amour qui est le foot. Ok. Yes. Students, we are here today. Nous sommes là aujourd'hui. The subject we have today is religious knowledge. Aujourd'hui notre sujet. Today we are talking about the book of Genesis. Aujourd'hui nous parlerons du livre de Genèse. From the beginning, God created the world. Au commencement, Dieu avait créé le monde. I love religion. It's good. My father was a Christian. J'aime la religion, c'est bien. Mon père était chrétien. Okay. It's good. For this teaching is not also not going well. Enseigner, c'est ne me convient plus. Père, je viens moi au secours. J'ai besoin de ton secours. Je souhaite devenir. J'aime le foot. Je souhaiterais devenir joueur professionnel. Et ma carrière de joueur professionnel ne va pas de l'avant. Rien n'avance. Victor. Yes, Victor. Yes, Victor. You are Universal Church of God. Tu es l'Église universelle. The Church for all. Église pour tous. Victor. Victor. Yes, Victor. Yes, Victor. You have told enough. You are Universal Church of God. Tu es l'Église universelle de Dieu. It's time you pick up your Bible. But I'm too young, man. You know I'm a humanizer. How to open it to people. Victor! Victor! Yes, Father. Do my papa. Will. Okay. Pick up the Bible. Prends la Bible. You are Universal Church of God. Tu es l'Église universelle de Dieu. Church for all. Église pour tous. Church for the world. L'Église pour pick le monde. Pick up the Bible. I do my work. Go to the world that is written in my name. And make disciples of the world for me. Forme des disciples pour you moi. Are universal church. Tu es l'Église universelle de Dieu. Thank you, Father. Fais ma volonté. I can hear this voice clearly. Je peux écouter cette voix. I believe this is the voice I have to keep. I have to obey to the voice. Et je crois que c'est la voix avec laquelle je dois obéir. Father, although you are sending me to the world now to be a fisher of men. Père, je sais que tu m'as envoyé dans le monde afin que je puisse aller gagner des âmes pour toi. Matthew 4:19. Matthieu 4:19. You want me to go and be a fisher of men. Tu veux que je puisse aller dans le monde et gagner des âmes. Father, give me your word. Donne-moi ta parole. Empower me. Oie-moi. But I really want to be a professional footballer. But I cannot deny your voice. I have to keep. Mon souhait est de devenir joueur professionnel, mais je ne peux pas abandonner ta volonté ou renier ta volonté. Thank you, Father, for giving me the vision. Merci, Papa, de m'avoir donné la vision. You want me to be Victor, the Father of the Universal Church of God. De faire de moi Victor, le Père de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Thank you, Father, for the vision. Merci, Père, pour la vision. Oh, 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 oh.
Okay, I thank God now we are 1 year Universal Church of God. Je remercie le Seigneur parce que nous avons totalisé un an aujourd'hui. Even my wife, she does not even believe in my calling. She always tells me she don't believe God called me. Même ma femme ne croyait pas. Elle ne pensait pas que Dieu m'avait appelé. A lot of people believe God never called me. Beaucoup de gens ne croient pas que Dieu m'a appelé. Look where we are here. 1 year Universal Church of God. Aujourd'hui, nous voici. Nous avons totalisé un an. L'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. That's to show the word of God. Man can propose, but God can change your course of planning. Les hommes peuvent penser, mais Dieu peut changer ta situation. But today we are celebrating 10-year anniversary of Universal Church of God. Aujourd'hui, nous célébrons 10 ans de l'Église. Is God great for us? Is God not great? Let's glorify the Lord and praise the Lord. You are the Father of Universal Church of God. Thank you for the miracle. Hey, Yahweh, my Papa.
It's time to hear the word of God. C'est l'heure d'écouter la parole de Dieu. This morning I wanted to rise up on our feet. J'aimerais que nous puissions nous lever. As a commit